Marcel qui se fait pas. Marcel, Brésil. J'ai 95 ans et je participe à la finale du bowling. Je suis stressé de voir une telle ambiance. Je n'étais pas habitué à voir autant de monde autour de moi. On va essayer de faire de notre mieux pour les strikes. À notre âge, ça nous fait drôle de jouer aux jeux vidéo parce qu'on n'a jamais joué de notre vie, bien sûr. Et les petits-enfants, ils ne reviennent pas. Grand-mère, elle joue aux jeux vidéo. On se retrouve pour la grande finale nationale du Trophée des Seniors. Messieurs, dames, je veux un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Et j'ai eu une joie supplémentaire, c'est de trouver ma petite fille parmi les spectateurs. Elle m'a fait la surprise, j'étais pas au courant du tout. Alors ça m'a vraiment surpris. Et je suis tout ému de la revoir, de voir tous ces jeunes qui ont peut-être l'âge de mes arrière-petits-enfants, parce qu'ils sont vraiment jeunes. Et de m'acclamer, ça faisait plaisir de les voir. C'était dur au départ de défendre la Bretagne. Et là, on l'a fait, on a réussi quand même. Au début, il y a toujours une petite appréhension de savoir effectivement comment ça va se passer. Mais alors, une fois qu'ils sont dedans, les seniors, ils ont effectivement des poussées d'adrénaline et on voit combien ils sont heureux. Et au moment des compétitions en particulier, personne ne veut en découdre. Au contraire, tout le monde a envie de gagner, c'est quelque chose de très stimulant. C'est une action qui génère de la mobilité. Donc c'est intéressant parce qu'il faut effectivement bouger, il faut aussi se concentrer. Donc ce sont des exercices qui sont aussi indispensables pour le bien vieillir.